Il s'est tenu au Palais de la démocratie une cérémonie d'ouverture de la deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil national de transition. Au cours de cette session, trois projets de loi organique étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires, la détermination du nombre, des dénominations et des limites territoriales des collectivités autonome. Ces délibérations permettront au gouvernement de mettre en place toutes les institutions prévues par la Constitution sous la 5e République. Cela permettra à l'exécutif de respecter sa feuille de route, son agenda pour une meilleure implémentation du projet de société de M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Selon le vice-président du Conseil national de transition, Ali Kouloutou Tchaimi, cette deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil national de transition, intervenue juste après la clôture de la première session ordinaire, n'est pas fortuite. Elle s'ouvre dans un contexte marqué par de grandes avancées au niveau de la gouvernance politique où de profondes réformes institutionnelles ont été mises en œuvre. Elle découle également de la volonté du président de la République, chef de l'État, M. Mahamat Idriss Déby Itno, de traduire dans les faits et dans le strict respect des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et le pacte social qui le lie au peuple tchadien souverain qu'il a élu lors du scrutin du 6 mai 2024.